ce qui m'intéressait dans l'histoire d'Anna, c'était tous les non-dits et tous les silences, et tout cet invisible que permet là aussi l'accès à la psychanalyse. Je suis Isabelle Panasopoulos, l'autrice des « Sept maisons d'Anna Freud », publiée chez Actes Sud. Mon roman parle d'Anna Freud, qui est la dernière née de la famille Freud, de Sigmund et Martha. Elle est née à Vienne en 1895 et c'est un peu le vilain petit canard de la famille, celle dont on ne parle et dont on continue à parler qu'avec un petit sourire condescendant. Or, moi, j'ai découvert une toute autre femme quand j'ai commencé à m'intéresser à elle. Donc certes, Anna est une femme fragile, elle a été une enfant difficile, qui a eu beaucoup de mal à grandir, qui a souffert de différentes pathologies. Elle ne voulait pas se marier et il n'était pas question à Vienne et dans cette famille-là de quitter sa famille sans se marier. Elle voulait faire des études et travailler et il n'était pas question chez les Freud de laisser une jeune femme faire des études. Et pourtant, elle s'est battue pour y arriver. Elle est devenue d'ailleurs d'abord institutrice, et puis elle est tombée malade, elle n'a pas pu continuer. Et enfin, elle a fait une carrière comme psychanalyste des enfants en ouvrant un courant qui continue et qui perdure aujourd'hui. Je me suis intéressée à Anna en lisant un texte qu'elle a écrit sur des enfants qui ont été déportés dans le camp de Térésine et qui sont sortis vivants, qu'elle a pris en charge dans une école, dans une institution dans la banlieue de Londres en 1946. C'est un texte qui m'a touchée beaucoup parce que moi-même j'ai été enseignante avec des élèves en grande difficulté dans les marges de l'éducation nationale et j'avais jamais mesuré que la psychopédagogie qui a été au fondement de ma pratique, en fait c'était Anna qui l'avait initiée.